Ah non, non. Pour moi, donc, je ne sais pas si tu as compris. Vous êtes célibataires tous les deux, mais il y en a un des deux qui veut un mec ou une nana qui est déjà en couple, tu vois. Et à mon avis, l'univers va faire que... il y en a un qui... pour moi, il n'y a pas de concubinage. Non, il n'y a pas de concubinage, mais va pour moi, trouver des choses un peu illicites. Ça peut être des échanges, des communications entre, par exemple, le mec célibataire et la nana en couple ou inversement, tu vois. Et que la femme, elle va avoir tellement peur, oui, ah ben oui, que son mec la quitte, oui, que bon, elle va couper les ponts avec le mec célibataire ou inversement. Est-ce que tu as compris? Ben oui, tu comprends. Et toi, par exemple, mettons, tu es la fille célibataire qui discutait avec le con célibataire. Ok? Du coup, il va se retrouver le bec dans l'eau parce qu'il ne sera pas avec la nana qui est en couple. Ou inversement. Est-ce que tu comprends? Voilà. Non, parce que lui, il attend un signe d'elle, tu as compris, qui est en couple. Ou inversement. Ah, ça peut être des mecs, hein. Je comprends. Mais tellement elle ou lui va se faire caca dans la culotte que son mec ou sa nana découvre le poteau rose et qu'en réalité ne veut pas le quitter à lui ou à elle. Je pense que même pas elle ou lui va lui dire. Ah, bien sûr, ça va te couper. Ah, c'est sûr. Donc, regardez comme l'univers est bien fait. Donc, si par exemple... Tu es une fille, ce mec célibataire, il t'a pris pour un con. Ah ben lui, il va avoir l'effet boomerang. Ah ben ouais, mais en même temps, c'est que justice divine. C'est normal. Et après, admettons, si lui, admettons, il change son fusil d'épaule. Et que là, il se dit, bon, allez, je vais aller lui reparler avec elle, puisque l'autre m'a dégagé. Bon, là, tu vas faire quoi? Tu vas comprendre qu'il y a un problème, parce qu'il sera beaucoup plus présent qu'avant, d'ailleurs. Parce que là, il doit être beaucoup moins à l'écoute. Et là, tu vas te dire, c'est ça en fait. Il m'avait tourné le dos parce qu'il croyait qu'il allait se mettre avec la nana ou le mec. Mais ça va pas se passer comme ça. Et là, brusquement, oh putain, il sera beaucoup plus à l'écoute. Et là, tu vas comprendre. Tu vois, alors, s'il est malin, par exemple, il va attendre un peu, oui, avant de reprendre contact avec toi. Ok, mais de toute façon, peu importe combien, si c'est allé une semaine, 15 jours, tu diras, putain, ah ben j'avais raison.